Tom Cruise en séjour en France. Découvrez l'étonnante visite qu'il a faite / Exil Louvre, prisé notamment par Jay-Z et Beyoncé, quand Tom Cruise vient à Paris, il veut de l'original. La star hollywoodienne, qui présente actuellement son nouveau film Mission Impossible Fallout, tourné en partie dans les rues de la capitale en avril 2017, a des desiderata quelque peu étonnants. Et pour cause, mardi 10 juillet, il a voulu rendre visite au groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, basé à Versailles dans les Yvelines. Une excursion qui n'était pas prévue dans son programme et qui s'est montée dans la journée, a confié le colonel Laurent Philippe, commandant l'unité au journal des gendarmes L'Essor. Et ce, précisément car Tom Cruise voue un culte pour ces gendarmes d'élite qui n'hésitent pas à mettre leur vie en péril. Un peu comme lui, connu pour réaliser ses propres cascades même les plus périlleuses. Et qu'importe s'il lui arrive de se blesser comme sur le tournage du dernier Mission Impossible, chute qui lui a valu de se briser la cheville. Seule différence, l'acteur de 56 ans ne sauve des vies que dans ses films. Le mythique interprète des temps a ainsi pu réaliser son rêve et assister à différentes séances de tir aux côtés de ses idoles avant de se prêter, lui-même, à l'exercice. Mais ce n'est pas tout, ce samedi 14 juillet, Tom Cruise a également été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Après une balade ensoleillée dans les jardins du palais, le président et la star américaine ont pris quelques selfies.